Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter d'avoir le volant qui tremble. Si vous avez le volant qui tremble après avoir changé des plaquettes de frein, changé les disques ou faire une réparation, changer de rotule ou quoi, que vous avez le volant qui tremble, même si vous faites le paralysme, votre volant continuera à trembler. Alors pourquoi il continuera à trembler? Parce que tout simplement vous aurez de la rouille. Bon, moi, mon axe là, il est tout neuf, il n'y a pas de rouille dessus. Comme on voit, il est neuf, je viens de le changer. Et si jamais, une fois que vous avez changé quelconque pièce, même rien qu'avoir démonté votre roue, ce qu'il vous faut faire tout simplement, c'est de vérifier si vous avez de la rouille. Si on démonte la roue, comme on voit ici, on a de la rouille. Et cette rouille là, il suffit qu'il n'y ait même pas un millimètre. Ça va vous tordre un peu l'axe et votre volant, il va trembler légèrement. Bon, moi là, ce que je vais faire en fait, je vais poncer, comme on voit ici, je vais remettre mon, je sais pas si on voit, voilà, je vais remettre mon disque. Et là, j'ai une couche à peu près de 0,5 mm. Et là, ce qu'il faut faire, c'est soit le poncer avec un papier vert, ou alors tout simplement, si vous avez une visseuse avec une tête métallique, vous pouvez le poncer. Ça va très vite, hein? J'ai touché le carton, mais c'est pas grave. Voilà, comme on voit ici, voilà, mon disque, il est propre, il est prêt à être mis en place. Et pareil pour l'autre côté. Moi, cette astuce là, je l'ai vue par lui, il est professionnel. Si jamais vous avez des questions mécaniques, n'hésitez pas à lui poser directement à lui. Je vais vous mettre son lien parce que lui, il est plus professionnel là-dedans. Il saura mieux vous conseiller que moi, alors que moi, je suis pas professionnel dans la mécanique. Mais pour vous conseiller, il vaut mieux vous adresser directement à lui. Je vous mettrai son lien juste en dessous. Et là, comme on voit ici, j'ai bien nettoyé. Il manque juste un peu. Bah, ça va vite hein, quand même. Hein. Voilà. Bah, là, ce qui me reste moi à nettoyer, c'est juste l'intérieur de la jante, pas l'extérieur bien sûr. L'intérieur qui va venir se poser là-dessus. Je vais le poncer aussi, comme ça. Si jamais mon volant il tremble, je peux être sûr que ça ne vient pas de ce côté-là. Voilà, si jamais vous démontez soit des disques ou si vous enlevez votre roue ou quoi que ce soit, regardez s'il y a de la rouille, s'il y a de la rouille. Parce que quand vous allez remettre votre roue, elle ne sera jamais au même emplacement. S'il y a de la rouille, n'hésitez pas à le poncer. Soit avec une visseuse ou alors avec du papier vert, ça fait aussi l'affaire. Voilà, mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.